Salut. Depuis déjà un bout de temps, vous me connaissez sous le pseudonyme AP9002. Dans la vraie vie, je m'appelle Antoine, je suis passionné de cinéma et je vous emmène 4 ans en arrière à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne. Nous sommes le 18 octobre 2019. Je suis collégien, fan de Minecraft, mais je fais pas trop de vidéos, enfin je fais pas vraiment de vidéos, ça m'intéresse pas. C'est un ami d'Ardeman qui pour la première fois m'en parle et me dit ce serait une bonne idée si tu faisais des vidéos. Donc j'ai réfléchi, l'idée fait son chemin et je me dis allez, pourquoi pas. C'est ainsi que en octobre 2019, je tourne une première vidéo, une sorte de présentation et je vous laisse un petit extrait. Je suis un youtubeur AP9002 qui vous fera du Minecraft, du Nerf, du Angry Birds, du Pokémon. Nous sommes un mois plus tard, le 26 novembre 2019. C'est ce jour-là que je crée ma chaîne YouTube, soit il y a 4 ans jour pour jour. Alors au début, c'est très confus. Je filme l'écran de mon iPad en parlant, mais rien ne se passe vraiment. Pour vous donner une idée, j'ai trouvé dans mes rushs 5 vidéos de présentation. C'est le 15 décembre 2019 que je sors la première vidéo sur Minecraft. En fait, c'est une vidéo dans laquelle je filme littéralement ma sœur en train de jouer à Minecraft. Je vous laisse constater par vous-même. Cette vidéo, aussi mauvaise soit-elle, c'est mon tout premier montage. Ou plutôt, introduction et ma toute première réflexion sur comment je pourrais monter la vidéo. Je vous laisse regarder. Le 9 minutes de Minecraft et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire un petit saut dans le temps, jusqu'en février 2020. À cette période, je commence à découvrir le logiciel de montage iMovie, à utiliser les premières fonctionnalités, à explorer un peu, et je découvre notamment les intros intégrées au logiciel dans iMovie. Je vous en mets quelques-unes à l'écran, vous allez voir, c'est plutôt. Nous arrivons maintenant au 17 mars 2020. J'annonce dans une vidéo sur ma chaîne que je posterai uniquement des vidéos Minecraft ou des présentations de Nerf. Et en effet, c'est un mois plus tard, en avril, que je sors ma première présentation de Nerf. Et donc je vous mets un petit extrait, évidemment. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un kit de Nerf assez spécifique. Le kit agent secret. Les mois qui suivent sont assez confus. J'arrive pas forcément à retrouver toutes mes vidéos dans mes rushs ou sur YouTube, car je les ai supprimées la plupart. Mais une dont je suis sûr de l'existence, c'est celle du 25 juin 2020. Ma première vraie vidéo Minecraft, PvP Training épisode 1, toujours disponible sur ma chaîne YouTube. À partir de ce moment-là, je publie des vidéos sur Minecraft pratiquement tous les jours pendant plus d'un mois jusqu'au 3 juillet. Et à ce moment-là, plus rien pendant 2 mois. En 2021, tout change. Là où avant, je jouais sur un ordinateur portable et je montais sur mon iPad, à Noël 2020, j'ai reçu un MacBook qui me permet de tout faire en même temps. Alors vous imaginez pas à quel point ça m'a rendu la vie plus pratique. J'ai commencé à varier un peu le thème de mes vidéos. Des tutos, des vidéos avec des amis. J'ai même lancé mon premier live en janvier 2021. À partir de mars 2020, j'ai 2 mois à blanc. C'est le 22 mai que je sors une vidéo pour expliquer que j'étais plus très motivé, etc. À ce moment-là, j'en sors quelques vidéos. Pas tant que ça, entre mai et la fin de l'année. Et on arrive déjà en 2022, presque au terme de l'histoire. Nous sommes donc en 2022. Alors début 2022, je poste mes vidéos normales. Et puis c'est à partir d'avril que je commence à poster d'autres vidéos avec des edits, avec un peu plus de musique, un peu plus de montage aussi, des vidéos plus produites. Et ce jusqu'à fin 2022, où je poste aussi beaucoup de shorts qui feront quelques vues quand même, qui me permettront de passer un nombre de vues assez conséquent et de passer les 100, puis 200, puis 250 abonnés. Et puis depuis un an, depuis novembre 2022, j'ai plus fait aucune vidéo publique sur ma chaîne. Mais alors, qu'est-ce que depuis un an sans vidéo, je suis devenu? Eh bah, j'ai fait d'autres choses. J'ai réalisé des petits films, des petits courts-métrages ou des petits montages dans la vraie vie. Et je vais les poster, ces petits essais que j'ai faits, dans les semaines qui arrivent, en attendant d'écrire et de réaliser d'autres vidéos que je posterai pour vous sur cette chaîne. Voilà, alors cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Elle m'a pris beaucoup de temps à faire et elle était très compliquée. D'ailleurs, si je fais la fin ici, c'est parce qu'il y a trop de passages sur la place où j'étais tout à l'heure et qu'il y a trop de bruit avec les voitures, etc. Il fait 0 degré, je vous jure, je suis mort de froid. Donc, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez pas manquer les vidéos qui arrivent. Ça risque d'être plutôt cool, je vous le dis. Et puis, salut!